Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'Asia Painting Tour. Alors l'Asia Painting Tour, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un projet qui est nourri par l'envie de voyager et de découvrir le monde, un projet qui veut échanger, un projet qui veut partager, que ça soit de manière directe avec les personnes que nous allons rencontrer sur place ou de manière un peu plus indirecte grâce aux vidéos et aux reportages que nous posterons sur notre site internet. Ce périple de 6 mois en Asie à travers 8 destinations principales aura pour but de vous faire découvrir l'art asiatique, ses différents folklores, ses différents paysages, mouvements, tendances, rencontres, grands artistes et panoramas seront à l'origine de nos vidéos que nous vous présenterons. Le tout sera rythmé par des créations numériques que je posterai régulièrement sur le site internet et que vous pourrez voir à la fin de nos reportages. Car en effet, le véritable challenge du projet est de s'imprégner de ce que nous verrons sur place et de créer des œuvres artistiques tout au long du parcours. Le made painting, le speed painting, voici des termes qui sont apparus il y a quelques années dans le monde du cinéma ou encore celui du jeu vidéo. En effet, ces illustrations qui peuvent servir de recherche, de décor, de paysage ou encore dites de character design sont aussi incrustées dans un film grâce à un fond vert en post-production. Cette même technique qui vous permet aujourd'hui de voir derrière moi différentes œuvres que j'ai moi-même réalisées et que je vous promets de faire tout au long de notre voyage. En résumé, chaque reportage sera associé à une œuvre artistique réalisée sur place, que ce soit en made painting qui va cibler exclusivement les décors et les paysages ou en exercice libre qui laissera libre cours à l'imaginaire et la créativité. Alors pour bien comprendre ces deux différents types de vidéos, je vous propose tout de suite de partir en reportage made painting. Parce que là, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait, ben en fait, on veut pas perdre de temps pour l'Asia Painting Tour. Donc comme William s'occupe des vidéos, enfin de bruiter, de faire la musique des vidéos, on fait une reconnaissance auditive de ce que nous a préparé notre cher William. On a décidé de cibler la région du Var parce que c'est là qu'on vit. Donc on est parti en direction des gorges du Verdon, on s'est arrêté un petit peu à côté de Comps pour filmer des panoramas intéressants qui sont sur la route et on se rejoint tout de suite du côté des gorges pour quelques prises de vue et puis pour essayer de trouver des panoramas et des images intéressantes pour nos night painting. Petite pause d'information pour toi, jeune ami internaute qui te demande comment les gorges du Verdon se sont créées. C'est très simple, c'est grâce à la rivière du Verdon qui a creusé entre ces deux vallons 1,5 km de distance. Eh oui, 1,5 km de distance, juste entre les deux vallons. On va prendre en photo ce truc. Cher ami William,
En haut, on était pas mal, mais... Et voilà, moi ce que je veux, c'est essayer de choper vraiment au premier plan et au second plan le vallon en fait. Cette forme creusée dans la montagne, je veux qu'on puisse la suivre dans ma photo. Nous voici donc à la fin de ce reportage. Donc comme chaque fin de reportage artistique, nous allons passer à la création d'une œuvre sur ordinateur. Pour cela, il nous faut une photo. Donc moi j'ai choisi celle que vous voyez à l'écran. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Pour plusieurs points. Le premier, c'est une répétition des formes que j'aime beaucoup. On a une profondeur de champ intéressante qui est mise en valeur par ce vallon qui va nous guider dans la photo. Pour ce matte painting, on a aussi plusieurs objets en 3D que j'ai réalisés et que je vous laisse découvrir en regardant le tout premier matte painting de l'Asia Painting Tour. We'll be right back.
Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo d'introduction à l'Asia Painting Tour, une vidéo qui, je vous le rappelle, a pour but de donner un exemple des reportages que nous ferons sur place et leur finalité artistique. Le reste du projet est contenu dans un dossier de sponsoring téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Je vous remercie de nous avoir suivis, n'hésitez pas à soutenir le projet via notre site ou via notre page Facebook, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un reportage mettant en avant l'exercice de créativité libre.